Waouh, bonjour frère et sœur. Vraiment, ce que nous allons entendre ici, c'est vraiment une chose triste. C'est une chose vraiment très, très, très grave. Surtout que cette personne a juste 29 ans, on se pose vraiment la question de savoir, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il vraiment? Et cette fois-ci, on entend beaucoup parler de mort, mes frères et sœurs. Vraiment, il faut prier. Priez que Dieu éloigne tout ce qui est mauvais de notre chemin, quoi. Parce que ça, là, vraiment, c'est vraiment très triste. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Avez-vous reconnu ce jeune homme? Ce jeune homme que vous voyez à l'écran, c'est une célébrité. Oui, c'est une star de TikTok. Et cet homme s'appelle Ali Aboulaban. Et Ali Aboulaban est accusé de double meurtre. C'est-à-dire, il a tué sa femme et son ami. C'est-à-dire, le gars est accusé d'avoir tué sa femme et l'ami à sa femme. Ah, mais que s'est-il réellement passé? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? C'est là que je vais vraiment vous expliquer, mais en commençant par vous donner un conseil. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Si vous savez que vous n'avez pas un cœur fort pour pouvoir accepter certaines choses, ne vous mettez pas en couple. Restez tranquillement chez vous. Et puis attendez le retour du Seigneur. Sinon, hein, si vous vous levez et que vous jouez à zéro pour vous lancer des telles révélations, vraiment soyez prêts. En tout cas, soyez vraiment prêts. Parce que cette histoire, c'est un truc hors du commun. Je vous raconte l'histoire. Selon l'information que j'ai reçue, on dit que cet homme et sa femme qui est là ne s'entendaient plus bien. Et ils ne s'entendaient plus bien, bien que les deux aient eu un enfant, c'est-à-dire une fille. À un moment donné, les deux ne s'entendaient plus. Vous voyez un peu la relation toxique, là. Comment c'est devenu bizarre. Les deux ne s'entendaient plus, c'était devenu bizarre, c'est devenu compliqué au point où. La jeune femme a demandé la séparation. Elle a demandé à se séparer de lui. Et c'est une chose faite depuis plusieurs semaines, on va dire. Mais cet homme semblait ne pas accepter leur séparation. Au point où il a décidé d'espionner sa femme sans qu'elle s'en rende compte. En fait, qu'est-ce qui se passait? Ce qui s'est passé, c'est que, selon l'information qu'on a reçue, on nous dit que le gars avait installé un logiciel espion dans la tablette de sa fille pour savoir tout ce qui se passe dans la maison de sa femme. Ou son, on va dire son ex-femme, puisque les deux sont plus en bon terme. Bon, comment vous le dire? Et voici que il va commencer à espionner la femme et même faire une double clé de la maison de sa femme sans qu'elle s'en rende compte. C'est-à-dire qu'à partir de ça, il peut avoir accès à la maison. Waouh! Maintenant, un jour, il était là tranquillement quand il a entendu des gens sourire à la maison de sa femme. Il entend sa femme sourire avec un homme. Tout de suite, il s'est levé et il a chargé son arme. Sans se poser des questions, il a tiré là-bas, ouvert la porte, puisque lui-même avait la deuxième clé. Il a ouvert la porte et il a tiré sur sa femme. Bam! Il a aussi tiré sur l'homme avec qui elle était. Bam! Alors que c'était son ami.
Seigneur Jésus, que s'est-il passé? Je vous rappelle que le gars, il a juste 29 ans. 29 ans. Eh, Seigneur! Voici que maintenant, il a tué sa femme. Il a tué une autre personne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Après ça, il se rend à l'école de sa fille, chercher sa fille. Arrivé là-bas, il prend sa fille et il dit à sa fille, écoute, mon bébé, j'ai fait du mal à maman. J'ai fait du mal à maman. Et là, il dit à sa fille qu'il a fait du mal à sa mère. Ah, vraiment. Maintenant, il décide de se rendre à la police pour avouer son crime. Voici comment on l'a arrêté. Il s'est retrouvé là. Une star, on dit une star de TikTok. Une star de TikTok. C'est une personne hein, qui a plus d'un million d'abonnés sur TikTok. Sérieux? Sérieux? Seigneur Jésus-Christ. Vous avez tout d'abord entendu ça? Vous avez entendu ça? On dit que cette personne a 940 000 abonnés. Voilà, donc environ 1 million d'abonnés. 940 000 abonnés sur TikTok. Hey Seigneur, malgré tout ce que tu as, hein, ça t'a pas empêché de faire un tel crime. Vraiment, affaire de femmes. Affaire de femmes! Eh Seigneur! Je comprends pourquoi Samson lui-même a eu des problèmes. Même le grand Samson, celui qui avait la force, il a eu problème de femme. C'est pas lui-là qui a pas eu problème de femme. Eh Seigneur, affaire de femmes, ou affaire de femmes. C'est pourquoi moi-même, je suis là, j'ai réfléchi. Et j'ai réfléchi. Quand je sors, je vois que des sorcières, que des filles sorcières. Pourquoi je suis là tranquille, tranquille chez moi? Parce que il n'y a pas de fille qui n'a pas la sorcellerie dehors. Comme moi, je vois déjà à distance qui sont les sorcières. Donc, je ne me fatigue même pas. Pour dire, je vais me mettre en couple, on va se bagarrer, quelque chose comme ça va arriver. C'est pourquoi je vous dis chaque jour, priez, demandez à Dieu de vous donner le pouvoir. Des pouvoirs de voir l'avenir, afin que vous puissiez savoir dans quoi vous allez vous mettre. S'il avait le pouvoir de voir l'avenir, déjà, il allait faire attention à cette relation dès le départ. Et il n'allait pas entrer dans ça s'il savait que ça allait lui créer des problèmes plus tard. Voilà ça. On dit, oh, c'est lui le problème, oh, il crée des problèmes à la femme, oh, qui a le cœur, à qui la faute? Mais là, il y a eu meurtre. Le gars a tué sa femme, en plus, un homme. Et ce qui m'étonne même dans ça, c'est qu'il a le même âge que moi. J'ai 29 ans. Lui aussi, il a 29 ans. Et quand j'écoute cette histoire, ça me fait tellement mal que vous ne pouvez pas vous imaginer. Je me dis, ah, ça pouvait être moi. Ça pouvait être moi. En tout cas, ah, mon ami, tu as mal fait. Oh. Mon ami, tu as mal fait des. Ça, c'est quoi ça? Vraiment, l'affaire des femmes. Moi, je vous ai toujours dit. Oh. Je vous ai dit que affaire de femmes là, affaire de femmes. Femme, c'est la seule créature sur la terre ici qui peut enlever un homme dans son paradis pour l'amener en enfer. Si vous ne faites pas attention, vous serez même étonné. Affaire de femmes. Bon,
Moi, je te parle là-bas de la coupe pour savoir ce qui s'est réellement passé entre les deux, mais voici le résultat. Moi, je vais vous en parler pour vous dire aussi, mes frères et sœurs, vraiment. Si vous n'avez pas un dos large, si vous savez que vous ne serez pas prêt à supporter certaines choses, restez tranquille chez vous. Parce que je ne veux pas apprendre du genre, quelqu'un a tué quelqu'un. Non, ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y a une autre vidéo qui va venir, dès qu'elle sera prête, vous allez la voir. Restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, vous activez la cloche. Et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous vois vos commentaires. Je vous vois vos commentaires. C'est parti.